Bismillah ar-Rahim. Salam alaikum, mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir l'Iracine carré. C'est la troisième leçon du premier semestre. Donc, cette leçon, on va voir généralité sur l'Iracine carré, la définition, l'utilisation de la calculatrice, puis la résolution de l'équation x carré, etc. On va commencer par la définition. Alors, 1, définition. Soit A un nombre positif. Le nombre dont le carré est égal à A. Est appelé racine carrée de A. Le nombre dans le carré, un nombre qu'on ne sait pas, son carré est égal à A. Ce nombre qui est appelé racine carrée de A, on le note. Racine carrée A. Le symbole est appelé le radical. Le radical. Quelques exemples très faciles, très simples. Exemple. On a 3 au carré est égal à 3 fois 3, c'est 9. Donc, la racine carrée de 9 est égale à 3. De même, on a, un autre exemple, 4 au carré est égal à 16. Donc, racine carrée de 16 est égale à 4. Ainsi de suite, on peut donner d'autres exemples. Premièrement, l'utilisation de la calculatrice. Voilà. Premier exemple. Calculons racine carrée de 6,25. Alors, pour calculer la racine carrée de 6,25, on utilise la calculatrice de la façon suivante. On tape le radical de la calculatrice, suivi de nombre 6,25, affichage, résultat donc, racine carrée de 6,25 est égale à 2,5. C'est une valeur exacte. On a trouvé une valeur exacte. Prenons un deuxième exemple. Calculons racine carrée de 2. De la même manière, on tape le radical suivi du nombre 2, affichage, un et d'autres chiffres. Donc vous voyez bien ici que la racine carrée de 2 n'est pas une valeur exacte. Ça ne donne pas une valeur exacte. Donc, on prend une valeur approchée. Et on écrit racine carrée de 2 est à peu près égale à 1,41. Je peux prendre 3 chiffres, 4 chiffres, ainsi de suite. Résolution
de l'équation x carré est égal à a. Alors, pour résoudre cette équation, il faut faire attention au signe de a. Et on a trois cas. Si a est un nombre négatif inférieur à 0, alors x carré est égal à a, remarquez bien, le nombre a est négatif, c'est inférieur à 0, alors que toujours x carré c'est un nombre positif. On ne peut pas avoir un nombre positif qui est égal à un nombre négatif. Ce qui va nous donner, l'équation n'a pas de solution. Deuxième cas, si a est égal à 0, alors dans ce cas, x carré est égal à 0, ça signifie que x est égal à 0. On a une solution unique. Troisième cas, si a est un nombre supérieur à 0 positif, alors x carré est égal à a, signifie que x carré moins a est égal à 0. Vous avez ici l'écriture d'une identité remarquable. Pourquoi? Parce que je sais bien que a est le carré de racine carré de a, que je peux écrire x carré moins racine carré de a, le tout au carré, est égal à 0. Je factorise cette équation, j'obtiens x moins racine carré de a, facteur de x plus racine carré de a, est égal à 0. Le produit est nul si l'un des facteurs est nul. J'obtiens donc x moins racine carré de a est égal à 0, ou x plus racine carré de a est égal à 0. Résultat final, x peut être égal à racine carré de a, ou x est égal à moins racine carré de a. Donc lorsque vous avez a supérieur à 0, cette équation admet deux solutions, c'est racine carré de a et moins racine carré de a. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.